Salut à toi la Calicoba Team, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel comme d'habitude. C'est l'heure du départ, il est 6h, j'ai 1 heure de route, nouvelle vidéo aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va te plaire, n'hésite pas à liker et à t'abonner juste ici si la vidéo te plaît. Et je te dis à tout à l'heure en fin de vidéo pour le débrief. Bon ben la team, j'arrive d'ici 30 minutes sur mon poste de pêche, je viens de prendre l'autoroute. J'espère que cette vidéo va te plaire, surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner à cette vidéo. Et je te dis à tout à l'heure. Bon, comme tu peux le constater la team, je suis bien arrivé après une bonne heure de route. Il fait jour dehors, je n'ai plus qu'à m'installer. J'espère que ça va piquer. Je te souhaite un bon visionnage. La team, il est 13h, il est temps pour moi d'aller me restaurer. Ça va faire du bien. Comme tu as pu voir dans la vidéo, ce matin, j'ai fait deux calicobas à la canne à coups. Donc, j'espère que ça va mieux mordre cet après-midi. Je change de spot. Voilà. Donc, n'hésite toujours pas à liker et à t'abonner juste ici si la vidéo te plaît, à partager. Et je te dis à tout à l'heure. Et voilà la team, nouveau lieu de cet après-midi. Petite canne à carpe. Canne à coups, toujours pareil. La petite bourriche et l'épizette qui va bien. La petite canne au bouchon. Et voilà les amis, il n'y a plus qu'à. Et voilà les amis, petit gardon. Petit gardon les amis, voilà le premier d'une longue série. Allez, hop, on le met dans la bourriche. Et hop, et voilà. Et deuxième les amis. Et voilà. Hop. Deuxième gardon les amis. Regardez-moi ça. Yep, deuxième gardon, les amis. Voilà, on va le mettre dans la bourriche. Et voilà. La Calicoba Team, il est temps pour moi de vous laisser. Donc, petite levée de bourriche. Quelques poissons. Deux gardons et un calicoba les amis. Voilà, donc lui, hop, il est reparti. Et lui aussi. Hop. Petite info la team. Voilà, donc j'ai rattrapé un petit calicoba. Voilà. Comme ceci. Alors, petite info la team, je vais vous expliquer comment reconnaître un mâle et une femelle. Ça, c'est une femelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le point rouge ici, ni de ce côté. Voilà. Là, il y aurait un gros point rouge, ça serait un mâle. Donc, ça, c'est une femelle. Voilà comment reconnaître un calicoba la team. Allez, hop. Et voilà. Bon ben la team, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Voilà, donc ce matin j'ai fait deux calicobas, là j'ai fait quelques gardons et un calicoba aussi. Donc n'hésite pas à liker et à t'abonner juste ici si la vidéo te plaît. Et je te dis à bientôt pour plus de vidéos.